Cette année, en Alsace, 26 hectares de chanvre ont été cultivés pour leurs graines, 6 hectares en agriculture conventionnelle et les 20 autres en agriculture biologique. La culture s'est concentrée dans une zone géographique restreinte, sur les communes de Sundouze, Sassenheim, Bofsheim, Burgheim, Winternheim et Utenheim. La personne à l'origine de ce projet s'appelle Olivier Hartz, qui se définit lui-même comme un producteur d'ingrédients alimentaires. En fait, j'ai un long parcours dans les ingrédients, que ce soit en alimentation animale et alimentation humaine. Je fais une carrière européenne au sein d'un groupe japonais. Et il se trouve que dans mes anciens contacts professionnels, j'avais un utilisateur de graines de chanvre décortiquées, qui est en l'occurrence le groupe Tereos, qui a lancé une unité de production pilote de substituts végétaux. Et c'est lors de cette rencontre professionnelle en 2017 que j'avais pris connaissance de l'utilisation de la graine de chanvre décortiquée, que je ne connaissais absolument pas. Il se trouve qu'en 2018, j'ai quitté le groupe japonais pour lequel je travaillais, avec un projet de vie qui était le retour dans ma région d'origine, ce qu'on a enclenché avec mon épouse fin 2018. Et arrivant ici, donc je me suis un peu questionné sur les belles choses que je pourrais ramener en région. Et en l'occurrence, donc j'ai recontacté Tereos en leur demandant si ça pouvait les intéresser d'avoir la production à côté de l'usine plutôt que de l'importer. Et Tereos m'a dit banco, sans pour autant s'engager sur un contrat. Mais dans la mesure où je pouvais répondre en qualité, en prix et en quantité, on était engagé. Et c'est ainsi qu'en 2019, Olivier Hartz s'est mis en quête de surface, d'un transformateur de graines qu'il trouvera outre-Rhin et de soutien agronomique qu'il cherchera auprès de Planète Chanvre. Son parrain étant agriculteur, il commence naturellement à évoquer le sujet avec lui. Donc l'année dernière, on a fait 6 hectares, 30 en tout, quelque chose comme ça. Hein. Il y avait moi-même, j'ai fait 2 hectares 40, et puis Sigrid Jean-Louis, 2 hectares, et puis Gerbert Eric a fait 1 hectare 70, et donc il s'était rajouté encore Reuch Michel, qui avait fait en bio, a fait le complément de ce que j'ai dit en hectares. Donc on est parti sur cette base et plus ou moins on est arrivé à faire le rendement qu'on espérait. Voilà. La variété présente ici, c'est la variété Finola, qui est une variété qui a plus de 20 ans d'existence et qui est originaire de Finlande et dont le seul but, c'est de produire de la graine. Donc on est dans un sujet sans fibre, contrairement à ce que tout le monde comprend du chanvre qui normalement est dédié à la production de fibres. Donc, on a ici une variété qui est dite dioïque, donc qui va présenter des pieds mâles et des pieds femelles en mélange. Et je vais vous présenter donc ça. Ici, vous avez un pied mâle qui présente toutes ses étamines, et qui est le fournisseur de pollen. C'est un pied qui, très prochainement, va disparaître, puisqu'il y a sénescence des pieds mâles, en faveur des pieds femelles, qui sont ici, et qui, eux, sont porteurs des graines. Et donc vous allez avoir par étage, donc ça va encore un peu monter, des graines qui vont s'installer, qui vont mûrir jusqu'à à peu près mi-août. Et c'est donc ça qui va nous intéresser, qu'on va récolter. Ne sont autorisés en France que le chanvre industriel. Et chanvre industriel a une définition, ça veut dire que ce sont des plantes qui ont été spécialement sélectionnées pour des taux de THC extrêmement bas. En l'occurrence, la réglementation demande des plantes qui, sur leurs 30 cm de hauteur depuis la cime, si vous broyez tout ça et vous analysez, ne doivent pas contenir plus que 0,2% de THC. Donc c'est une très faible quantité et sans aucun effet bien-être ou psychotrope. Le chanvre en France est régulé par un décret du 22 août 1990 qui enjoint les 3 ministères de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Santé de contrôler la culture de cannabis en France. C'est un décret qui rapporte les variétés qui sont autorisées et c'est un décret qui n'autorise que la transformation de la graine et de la tige. Toute autre partie du chanvre qui serait transformée en France est interdite. Donc en France, vous ne pouvez pas sécher des fleurs de chanvre industrielles pour faire des tisanes,
Et en France, vous ne pouvez pas récolter les feuilles pour faire de l'extraction de cannabinoïdes, donc là qui est une molécule à vertu antalgique et améliorant du sommeil, qui est aujourd'hui est vendue et est utilisée en Suisse, en Allemagne et dans certains autres pays européens. Donc tant que ce décret est en place, vous ne pouvez pas faire de transaction de vente de la feuille. Quand bien même on est à 3 km de l'Allemagne, et quand bien même l'usine de transformation est à 90 km d'ici. Par contre, si vous importez des extraits de CBD qui ont été produits en Allemagne, vous avez le droit de les vendre en France, parce que le droit européen s'attache à ne pas limiter les activités commerciales au sein du territoire de l'Union européenne. Cette culture nécessite d'ailleurs une déclaration PAC avec un formulaire spécifique, une déclaration à la DTT, à la gendarmerie et à la mairie concernée. Si la demande du client initial concernait du chanvre conventionnel, d'autres acteurs alsaciens intègrent à leur gamme de la graine de chanvre bio, notamment le Moulin des Moines ou la jeune entreprise Chanvrel. Tout est fait à partir de la graine de chanvre, donc de base c'est juste cette graine-là. Alors actuellement on avait un tout petit peu d'origine Alsace de l'année dernière, mais c'était vraiment très petit en termes de quantité. Le reste, on se fournissait dans le Grand Est, enfin l'Est de la France, actuellement, parce qu'on essaie de voir le plus proche possible, le plus qualitatif possible. Là, si tout se passe bien, mais a priori, ça s'est bien passé. Il y a 20 hectares qui ont été récoltés. Et on va maintenant faire tous nos produits à partir de cette graine alsacienne qu'on transforme ou alors qu'on fait transformer pour certains produits en local dans un rayon de moins de 100 km entre nous, l'agriculteur, et éventuellement un partenaire le plus loin. Par exemple, pour l'huile de chanvre, c'est une huile qui est riche en oméga 3 et surtout qui a un équilibre parfait entre oméga 3 et oméga 6. Donc par exemple, avec un peu plus d'une cuillère à soupe d'huile de chanvre, vous avez vos oméga 3 quotidiens, chose qu'on n'a pas naturellement dans notre corps. Et après, de manière plus basique, la graine de chanvre, c'est un peu considéré comme un super aliment parce qu'elle est très riche en protéines, également du coup en oméga 3, en minéraux, en vitamines, en fibres aussi. C'est ce qui en fait qu'on a une graine qui est assez complète, qui est très digeste, c'est de la protéine végétale, donc c'est plus digeste que la protéine animale. Et donc c'est un produit en fait qu'on peut utiliser un peu à toutes les sauces et qui peut combler pas mal de manques nutritifs en fait qu'on a dans notre corps. Chanvrel réfléchit encore à l'élaboration d'autres produits incorporant le chanvre, tels que le chocolat ou les pâtes par exemple. Ils cherchent également à se rapprocher d'éleveurs alsaciens pour écouler le tourteau issu de la production d'huile. La graine qu'on presse, on a de l'huile, on a le tourteau, donc la graine déshuilée. On l'a fait, commencé à faire transformer en farine pour tout ce qui est alimentation humaine, mais on aimerait aussi en fait pouvoir valoriser l'excédent qu'on a avec des éleveurs pour l'alimentation animale. Et c'est une source de protéines riche et complète qui peut être amenée à être utilisée en alimentation animale. Et après, on a aussi un peu de chènevis, de la graine, mais qu'on considère d'un peu moins bonne qualité gustativement parlant et qu'on peut très bien valoriser avec les poules, la volaille. Et donc, c'est encore des choses qu'on aimerait valoriser pour ne pas avoir à les mettre à la case déchets, alors que ça peut être encore très utile pour l'alimentation animale. Ça fait depuis une dizaine d'années que je cherchais déjà à faire du chanvre. Je n'avais pas trouvé de filière en Alsace, j'avais trouvé une filière en Moselle, mais on m'avait dit que c'était trop loin pour de la fibre. L'année dernière, via Facebook, j'ai trouvé Chanvrel. On a pris contact, on a fait des visites de parcelles l'année dernière. J'étais convaincu, j'ai fait l'essai cette année. C'est une culture qui est normalement un peu gourmande en eau. Et comme on a des sols avec une mauvaise rétention en eau, je me suis dit que plutôt que de faire du maïs, on va essayer une fois la culture de chanvre. C'est un gain de temps au niveau eau. Et puis cette année pour l'instant ça va. On n'a pas encore eu trop de dégâts pour l'irrigation, mais je pense qu'avec les années à venir, on aura peut-être plus de risques. Et puis si un jour ils nous interdisent d'irriguer, il faudra qu'on s'oriente sur d'autres cultures. Le chanvre pousse très rapidement, donc étouffe normalement la mauvaise herbe. Comme on peut le voir, la mauvaise herbe, il y a de la mauvaise herbe, mais elle est à un stade encore très, très petit.
Et donc, je pense que c'est un atout pour moi sur l'exploitation, quoi. Via ma rotation, parce que je faisais que des cultures de printemps pendant ma conversion. Et donc, depuis 2018, je suis en bio. J'ai intégré des cultures d'automne, parce que j'arrivais plus à suivre avec les adventices, quoi. Et là, avec cette culture, c'est aussi une culture de printemps, mais qui pousse très vite et qui est pas mal pour le désherbage, quoi. Normalement, on a semé et on n'a plus trop de travail, quoi. Alors que la variété Finola conduite en conventionnel a été récoltée entre le 21 et le 25 août avec une moissonneuse-batteuse à céréales classique, une moissonneuse modifiée spécifiquement pour cette culture est venue d'Allemagne récolter les 20 hectares cultivés en bio sur 2 jours et demi début septembre. Le choix de la date de récolte constitue une des plus grosses difficultés de cette culture, car les graines sur le même pied n'ont pas la même maturité. Ce qui frappe également, c'est l'agréable parfum qui s'en dégage. Tout ça, c'est des graines qui pourraient encore venir, mais qui vont prendre encore 10 ou 15 jours. Et donc la difficulté, c'est de trouver le bon compromis entre l'avancée du mûrissement et la fin des graines vertes. Du coup, les graines, on va les amener au hangar chez nous et on va les trier dans un premier temps avec un trieur. Et ensuite, on va les sécher parce qu'il faut qu'il y ait 7% d'humidité pour que la graine ait les bonnes qualités oléiques. Alors on avait déjà un trieur, parce qu'en bio on est souvent amené à devoir trier déjà toutes les graines avant de les vendre. Mais du coup oui, on a investi dans des trémies sur lesquelles on peut brancher un ventilateur et un système de chauffage. Donc on va essayer, on va voir si ça fonctionne bien. En dehors des graines de cet agriculteur, l'intégralité des récoltes a rejoint le site du comptoir agricole à Marlenheim pour un séchage en caisson ventilé. Et pour le tri, un concours de circonstances a permis au projet de profiter du test d'une nouvelle trieuse de passage sur le site. À l'arrivée, la moyenne des rendements du chanvre bio s'établissait à 12 quintaux hectares, séchés, poids net après triage, soit 20% au-delà de l'objectif visé au départ, tandis que la moyenne des rendements enregistrés sur les parcelles conventionnelles atteint les 17 quintaux hectares. Le conventionnel a été surprenant cette année, en tout cas comparé à notre expérience de l'an dernier. Sur 3 parcelles de 2 hectares, donc on en a une qui nous a sorti 20 quintaux séchés, nettoyés. Ce qui est, en référence avec des gens qui pratiquent cette variété en Bavière par exemple, fait partie des meilleurs rendements obtenus en Europe sur la variété Finola. Donc là on a été extrêmement contents, en tout cas l'agriculteur qui en l'occurrence est mon parrain. Sur les 2 autres parcelles, là, je pense qu'on était plus dans les standards de la variété. Et on est sorti à 1 tonne 500, donc 15 quintaux hectares. Donc ça, c'est plus le standard. Mais franchement, comparé à l'an dernier, où sur notre premier test, on a sorti une moyenne à 11 quintaux, on a, en termes d'expérience et de maîtrise de la culture, on a beaucoup progressé. Donc il y a effectivement... des petits trucs à maîtriser au niveau du semis, au niveau de la fumure. Après, c'est pas une plante compliquée, mais il ne faut pas louper son semis. Comme on veut de la graine, il faut qu'il y ait de la potasse dans le sol. Enfin, tout ça, c'est des basiques. Après le tri, une partie des graines a rejoint le transformateur allemand Bafa, situé non loin de Karlsruhe. Le site produit de l'huile, de la graine décortiquée toastée ou non, de la protéine pour le segment de la nutrition diététique. Olivier Hartz est à la fois le fournisseur de BAFA et le distributeur de ses produits en France. L'appareil de production n'ayant pas encore atteint ses limites en termes de capacité, un potentiel de développement existe encore pour la culture du chanvre en Alsace. J'avance dans un système où je ne mets en production agricole que ce que j'ai déjà réalisé dans les ventes de l'année précédente. Ce qui fait que je suis en système agricole, toujours en retard par rapport à mon réel volume de vente actuel. Donc là, avec les 26 hectares en production cette année, qui vont sans doute porter pour 30 tonnes de graines, il faut les mettre en face de mes ventes de l'an dernier, qui représentent déjà 40 tonnes de graines. Donc je continue à avancer. Je pense que sur l'année, mon année fiscale court de juillet à juin, mais je pense que j'ai la possibilité d'arriver à 100 tonnes. Ce qui veut dire qu'en 2021, on pourra très bien imaginer contracter 100 hectares en Alsace. Et ainsi de suite, jusqu'à, je pense, j'ai une certaine vision que j'avais exprimée déjà l'an dernier,
Je pense que la conversion en bio des productions grandes cultures en Alsace est un peu en retard. Le chanvre, dans une rotation bio, va amener une culture de plus qui va permettre d'allonger les rotations. Ça facilite aussi la vie de ces conversions. Et en l'occurrence, aujourd'hui on serait à 3700 hectares de bio grande culture. Je pense qu'il y a tout à fait la place pour 6000 hectares en Alsace. D'ailleurs, le mouvement est lancé sans moi, évidemment. Mais ça veut dire que quand on a 6000 hectares de grande culture, on peut poser un sixième de culture de chanvre dans les rotations. Et donc à partir de là, on sera à 1000 hectares. Donc potentiellement, on peut pousser jusqu'à 1000 hectares. Mais il faut la condition, bien sûr, du débouché, sinon ça n'a aucun sens économique. L'augmentation des surfaces envisagées s'accompagne de plusieurs questions. Quel matériel utiliser pour optimiser la récolte? Quoi faire des résidus très fibreux de la plante après moisson? Ou comment gérer le séchage et le tri de plus grandes surfaces? Enfin, l'évolution de la réglementation en France sur le CBD pourrait également ouvrir de nouvelles opportunités de marché.